Le Bénin, vous avez dit, a été honoré. Bon, j'accepte l'expression. Sinon, le Bénin est en train de récupérer ces choses. Et quand on récupère, c'est dit que justice est en train d'être faite. Les objets d'art royaux. Et qui dit royaume, dit la sagesse africaine. Et qui parle de la sagesse africaine, dit que il a un équilibre. Il a un équilibre. Et les esprits auxquels nous déférons, les esprits auxquels nous faisons des offrandes sont toujours vivants. Et c'est pourquoi nous disons que le Bénin est un monument vivant. Vivant dans le sens que, vous savez, dans l'intervalle de 12 mois, il y a toujours des cérémonies que nous faisons. Nous faisons des cérémonies au vaudou, non seulement au vaudou, mais à tous les objets rituel qui rentre dans la culture africaine, dans la culture béninoise. Nous faisons des cérémonies, des offrandes à nos morts. Parce que tous les ans et toutes les fois que ça appelle, nous interrogeons la nature par la consultation de Fa. Et c'est dans ce sens que si même nous ne disons pas tout au public, nous savons, nous garants assermentés de la tradition, nous savons que ces objets doivent revenir parce qu'ils nous appellent, ils nous interpellent. Nous, on savait déjà que en cette année 2021, quelque chose doit se passer dans ce sens. C'est un sentiment de joie. C'est un sentiment du rétablissement de l'équilibre du monde où notre président, le président actuel, qui est comme un prodige, il est l'un des maillons, des premiers maillons forts du rétablissement de l'équilibre du monde. Parce que à partir de lui, puisqu'il avait déjà des présidents, des devanciers qui avaient demandé où, il a eu des noms catégoriques. Mais à partir de lui, l'acceptation a commencé. C'était verbal, mais ça a été concrétisé. Le Sénégal en a eu et d'autres pays africains continuent de demander où on va faire revenir tous ces objets culturels, tous ces objets d'art. Et dès lors qu'ils vont se retrouver à leur place normale, le monde retrouvera son équilibre. Ces objets qui arrivent, nous, garants assermentés de la tradition, nous sommes là pour les mettre à leur place normale. Il y a des rituels que nous devons faire, un certain nombre de rituels, dont les premiers, c'est les rituels de purification, pour que ces rituels disent « Maintenant, je suis à ma place, la place qu'il me faut ». Il faut féliciter le président français avec toute son équipe pour avoir accepté restituer. Et dans cette restitution, il faut voir le mot fort qui est le retour à la source. Et nous devons aussi féliciter le président du Bénin avec toute son équipe qui ont su jouer le jeu, mesurer leur langage, leur comportement, mesurer le dialogue pour que ces choses puissent arriver et que nous puissions parler du vivre ensemble, qui est l'un des points forts de l'ODD. Nous devons exhorter la population à plus de patience pour que les choses se retrouvent dans les meilleures conditions d'exposition. Remerciements nécessairement au président de la République, au ministre des Affaires étrangères, au ministre de la Culture et à tout le comité scientifique, ceux qui ont œuvré pour que la réalité puisse aujourd'hui s'imposer. Mais comme on le dit vulgairement chez nous, si le cheval est bien dressé et qu'il fasse bien ses prouesses, nous devons donc
remercier, féliciter le tresseur. Nous devons aussi féliciter le président français avec toute son équipe pour dire merci. Merci à ce langage franc, à ce pourparler franc, à cette franchise de dire je vais restituer le mot qu'il avait prononcé au Burkina Faso il y a quelques années.